De retour devant vos écrans et comme à chaque fois c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc aujourd'hui à nous dans le cadre Moïse Communication côté que nous avons couvert un événement qui est une grande conférence sur impact. Notre thème aujourd'hui c'était l'implication de la femme dans la situation actuelle du pays. Je dois là un peu qui va intervenir côté que nous avons un pile jeune fait déplacement et nous avons plus de filles qui fait déplacement. Donc c'est avec joie que après plus vous couvrir l'événement ça nous a dit bon visionnage. Pour avoir les gens qui fait sachet ou mettez mon soulier pour avoir les ministères en commerce. Et puis vous enregistrez, vous avez un chapeau, vous avez bien. Vous faites l'argent, vous avez besoin de dire, on met machine ou t'as même par exemple. Donc vous commencez dans petit petit pour arriver dans plus gros. Lorsqu'on manque de confiance en soi, l'adage qui ne tente rien à rien résonne comme une triste réalité. La confiance en soi est la force qui nous pousse à agir, à sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs. Sans ce moteur, on passe à côté de notre potentiel encore inexploité. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, nous regardons ça, si qui ne risque rien à rien, qui ne tente rien à rien. Donc, si on regarde... Plus besoin de chercher, plus besoin de te trouver. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. On l'a appris de l'union typique. L'union typique, un groupe qui prône la poésie et le cinéma. Elle qui nous a donné vie. Elle qui nous a nourri. Mère qui a su imposer pour annoncer la liberté, elle, regarde-la, elle a perdu sa beauté et s'est écornée en pauvreté. Sa situation me rend là, vous voyez là, elle est quadrillée par la lâcheté à cause de ses fils insensés. Quadrillée par la lâcheté à cause de sa vie, c'est insensé. Femme, qu'en dites-vous? Vous allez rester bouche bée, hein? Vous vous taisez? Ou bien vous allez participer afin que la misère cesse de nous peser? Nous sommes avec nous, nous sommes interconnectés là et à ce soir, donc bonsoir et sous ta présence. Bonsoir, moi-même c'est Paul Villefranche, et donc journaliste, communicateur, et poste officiellement, c'est dans le ministère culture et communication, c'est directeur. Communication dans le ministère de la communication, donc nous avons notre activité personnelle par rapport à milieu artistique là comme opérateur culturel et puis son entrepreneur. Donc je dis à moi je suis content de venir là dans l'activité ça que Impact Haïti t'a invité. Donc est-ce que tu as dit qui se passe de l'activité ça qui t'a pour thème l'implication de la femme de la société dans la situation actuelle du pays? Alors faut d'abord comme saluer l'initiative ça de Impact Haïti et qui vient en tête li Frances Baptisme, une jeune fille que me prend pour me découvrir, qui a un pile talent, qui a un pile valeur, des valeurs très sec, valeurs excessives. Donc c'était vraiment un honneur pour moi pour de répondre à l'invitation et pour partager connaissances par rapport avec sujet ça et l'implication de la femme dans la situation actuelle du pays. Donc moi j'ai pris le temps pour moi montrer la valeur d'abord et patrimoine que sa femme. Ensuite, faire un rappel de journée, ça, parce que journée ça c'est journée de la propriété intellectuelle.
côté que thème qui retenu c'est propriété intellectuelle, côté que c'est femme y a rendre hommage jodi à dans journée propriété intellectuelle ça par rapport avec et invention yo, créativité yo. Donc c'est un bagage qui est important et d'autres coïncidences c'est que l'aime demander est-ce que tu connais vraiment thème que vous choisissez à lui tomber dans journée de la propriété intellectuelle qui était en même temps avec un thème qui met en valeur le leadership, entrepreneuriat, beaucoup de femmes me disent non. Et c'est ça qui fait que moi-même, je suis bien content que, comme les gens qui sont dans le domaine de communication, recherche, café, que je suis lié et intervention avec la journée de la propriété intellectuelle, avec le thème qui est choisi pour année ça. Je dis à nous que en plus je viens de faire des placements et jeune fille. Donc est-ce que tu as dit qui sont les jeunes filles et jeunes filles à évoluer dans la société ça, actuellement? Bon, en plus, il faut qu'on toujours l'autre monter sur les réseaux sociaux. On voit des commentaires et négligents et qui sont et femmes, qui sont femmes à évoluer. Même quoi que l'initiative, ça, sans vivre là aujourd'hui, montrer que femmes impliquées d'ailleurs, assistance aujourd'hui, tu as plus de femmes là-dedans que garçons. Donc si on assistance, tu as plus de femmes que garçons, ça veut dire pile bagaille. Donc ça montre qu'il y a une certaine valeur. Ça montre que les femmes sont impliquées malgré des fois qu'il y a des remarques désobligeantes, des remarques qui ont fait par rapport avec le comportement des femmes et tout. Il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des femmes vraiment qui ont des comportements pour être capable de juger. Mais il y a pile de femmes tout à coup, même tant que Frances et toutes les mesdames qui sont intervenues, où est que quand même il y a une certaine valeur, il y a une certaine aspect compétitif et il y a des valeurs qui ont dégagé. Il y a des bagailles qu'il a cherché. Donc pour moi-même, je pense qu'il y a de l'espoir et les femmes, sans vivre là aujourd'hui, montrent qu'il y a quand même un certain espoir pour le pays et surtout avec les jeunes filles. Merci de soutenir cette interview. Merci, c'est ton plaisir et continue de faire bon travail. Compliments, félicitations. Je viens avec nous, M. Denis Jessica, qui était une intervenante qui était présente jeudi, qui était dans la conférence jeudi, qui est pour l'implication de la femme dans la société actuelle. Donc, Jessica, en tant qu'intervenante, est-ce que tu as dit qui sont tes deux thèmes sur jeudi? En premier lieu, je pense que c'est un très, très, très bel thème et un très beau thème. Et surtout, j'ai une situation qui est là. Et j'ai reconnu la femme dans la société. Bon, pas seulement dans la société, dans le monde en soi. Et je pense que c'était une très, très belle activité, côté que. Non seulement les gens qui étaient intervenants ont appris, mais les gens qui étaient venus apprendre en pile aussi. Et je pensais aussi que si vous avez plus d'activités comme ça qui fait le pays, pour faire une bourrade, dans le cadre de lui qui a mené, pour faire droit au respect. C'est ça. Donc, Jessica, pour finir, depuis les jeunes filles qui ont suivi nous, et je dis à côté que le thème est en rapport avec les jeunes filles, tout qui concerne bien les jeunes filles. Je pense que Jean Thème nous supposons impliquer nous beaucoup plus. Ce n'est pas seulement dit que nous sommes féministes, mais il faut que nous posions des actions qui prouvent, ok, ce n'est pas seulement dit, mais pour faire des bagailles qui peuvent dire ok, des pour vont côté autour de ok, et tel, la beauté pour femmes, la beauté pour droit femmes. Donc, je pense que c'est ça, je suppose impliquer beaucoup plus la société. Merci pour l'interview et félicitations tout pour soi contre le premier. Merci beaucoup. Nous avons avec nous une artiste invitée, donc bonsoir, est-ce que vous la présentez? Bonsoir, moi c'est Nishanda Préval, communément appelée Chandayag, qui est un passionné de la poésie, un monde qui aime écrire, qui aime lire et qui a évolué dans plusieurs œuvres. Donc est-ce que vous avez une question pour ces deux thèmes en ce qui est et l'implication de la femme dans la société actuelle du pays? En fait, ça que je pense de thème, non? En fait, c'est un bel thème, implication de la femme dans la société actuelle du pays. C'est-à-dire que femme ont une place pour porter changement dans la situation que nous vivons actuellement là. C'est place femme. Donc, est-ce que tu as dit qu'il y a qui sont de jeunes filles en ce moment dans le siècle? Qui j'en veux? En fait, dans le siècle ça, surtout pour partir par nous en Haïti, moi les jeunes filles, majorité plus. Pas équilibré beauté avec connaissance majorité et ça fait yo vinn pote ti moun 2000 yo plus wè nan kale ko yo pa wè nan meublé tête nan avec connaissance pour yo vinn remplacer demain si Dieu veut. C'est ça moi même que me passe. Mais pour finir, est-ce que tu as dit et qui conseil gagne pour jeune fille ça? Moi même pour jeune fille ça yo moi m'a dit yo meublé tête lan. Meublé tête lan, équilibré beauté avec connaissance même j'aime ça dit dans texte moi hein. Et à le plus que vous avez beauté, vous avez connaissance, ça permet de gagner assez de bagages pour affronter des situations.
surtout la permettre nous gain plus fougue, plus capacité pour nous dire non, ça cap passer jodi a pas fait nous bien et nous même mais qui ça nous proposer, mais qui ça nous voulait porter pour changement fait. Merci d'assister à cette interview et félicitations pour continuer comme ça. Merci beaucoup, c'est moi-même qui pour remercier nous encore une fois Impacté Haïti. Et c'est la fin de nous qui venons faire un reportage aujourd'hui à côté que nous devons couvrir une conférence impactée côté culturel pour thème l'implication de la femme dans la situation actuelle du pays. C'est un plaisir pour nous de venir là jeudi et nous demandons pour ne pas oublier pour abonner à la chaîne YouTube, pour liker la vidéo et pour suivre nos réseaux sociaux, sinon à plus. À plus.